angolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Nkolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya et Bélé, Totombo la Bendele et Ambo Canabiso. Le commandant de la garde républicaine, le général-major Kadi Ephraim, a procédé le vendredi 18 août 2023 à l'évaluation de la sécurisation des 9e Jeux de la Francophonie organisés du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. C'était au cours de la grande parade tenue au camp Tchatchi à l'intention des éléments de la garde républicaine. Le commandant de la garde républicaine a félicité ses unités pour le travail réalisé. Tous les participants ont été bien sécurisés. La circulation sur les artères de Kinshasa bien reculée et aucun incident déploré, ce qui a suscité les vives félicitations du commandant suprême pour le bon encadrement du public kinois pendant le déroulement de cette manifestation sportive et culturelle bien réussie. Féliciter la garde républicaine, Oyo, à Salaki Moussala,
Opanda le bandeli, Trina Suka, Sake to connaître, Biloko la Mabeo et Zaki Prezi, nous avons parlé, na Mabeo Soyo Balataki, on a géré la francophonie. Une félicitation spéciale, Ezali, ya commandant suprême la biso, le président Félix Antoine Tshisekedi nous a adressé une félicitation spéciale. Est-ce que vous l'avez dit, amour? Est-ce que vous l'avez dit, félicitation spéciale à mon président? On va comprendre que notre République a un outil de sécurité. Un outil qui peut veiller de l'intermédiaire et la sécurité de la population de bien avant. Cette parade s'est clôturée par un défilé des troupes et leur matériel roulant. Comme tout bon travail mérite récompense, les collectifs de journalistes ont décerné un diplôme de mérite au général Kabila. Le général-major Chico Tshitambwe Jérôme, sous-chef d'état-major général chargé des opérations, dans la concrétisation de son séjour à Kisangani, sur l'évaluation de la formation des jeunes congolais qui se sont décidés de défendre l'intégrité de leur pays, la RDC. Le sous-chef d'état-major général chargé des opérations a traversé ce lundi 21 août 2023 à la rive gauche du fleuve Congo, au centre d'instruction qui se trouve au camp colonel Lukusa. Après son honneur militaire, le général s'est manifesté devant ses stagiaires de l'école des sous-officiers et il les a précisé qu'ils sont attendus pour défendre, déporter la paix au pays. Le même message aux recrues qui sont au bout de leur formation. Le général avait fait appel aux instructeurs pour qu'ils se concentrent pour produire des bons militaires qui vont présenter leur bravoure. Pour palper du doigt l'état actuel des activités au centre d'entraînement des troupes aéroportées, le commandant du groupement des centres d'entraînement et d'instruction des forces armées de la République démocratique du Congo, le général de brigade Mputela Kolito Bertin, a effectué une visite de travail ce mercredi 23 août 2023 au camp adjudant-chef Liaou, où est basée cette unité spécialisée des FARDC. Au cours de cette visite, le général Mputela a été convié à un point de situation présenté par les colonels diplômés d'état-major Esiko Monga et Boubou, directeur de training. Le commandant du groupement de centre d'entraînement et d'instruction a ensuite assisté à une démonstration des exercices para-commando. Son séjour en territoire de Lubutu, le commandant adjoint en charge des opérations et renseignements de la 3e zone de défense a rencontré tour à tour la population du village Kabakaba, les responsables de la société minière de Lubutu, Somil en sigle, et les membres du comité de sécurité locale en vue de trouver une solution durable sur la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national.
L'autorité a déploré les actes de vandalisme orchestrés en seulement 2 semaines de troubles et a invité les autorités politico-administratives à prendre leurs responsabilités en main à ce qui concerne la sécurité de tous. Les forces de défense et de sécurité sont à votre disposition, a-t-il fini par souligner. Tout en annonçant son retour sur Kisangani, des instructions fermes ont été données au commandant bataillon indépendant présent dans la réunion de sécurité extraordinaire et au commandant police nationale congolaise pour la sécurité de la population et de ses biens. Depuis le village Kabakaba en territoire de Lubutu, Major Nestor Mabudissa, coordonnateur SIFA, 3e zone de défense. Depuis son arrivée à la tête de la province d'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kashama Djuni, mène et lutte sans merci pour la sécurité et le développement à travers la réouverture de tous les axes routiers d'intérêt général, suivant ainsi la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que l'entreprise PetroCity a lancé ce mardi 22 août le travaux de réhabilitation du tronçon routier axe Arungote. C'était en présence de l'administrateur policier du territoire d'Arou, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi, qui a témoigné le calvaire des usagers sur cette route abandonnée. Au nom de la notabilité du territoire d'Arou, je suis en fait à ce jour de lancer les travaux pour la réhabilitation et l'entretien de la route Arou. Pour l'ingénieur Claude de la société PetroCity, 3 ans durant, ces travaux seront comprimés en 3 grandes phases, dont le profilage. Première opération, c'est la suppression de la bourbie. Deuxième opération, c'est l'opération, il y a reprofilage. Deuxième opération, c'est la maintenance. Satisfaction de la part de la Fédération des entreprises du Congo, territoire d'Arou, qui sollicite au service attitré de bien canaliser leurs recettes pour la maintenance de cette route. Il invite aussi les habitants à s'approprier ce travaux. Amassi Drabo, Robert et son président. Ne bloquons pas l'évolution des travaux à cause de nos intérêts personnels. Soyons-y conscients et très aptes pour la maintenance. Déjà un ouf de soulagement pour la population qui remercie l'administration militaire. Depuis l'époque coloniale, on n'a pas vu la traité de route Arou-Ngote. Après ça, pareil. On n'a pas vu, mais ça c'est la première fois. Nous sommes très contents. Rappelons que la réhabilitation de cette route à Rungote s'ajoute à tant d'autres, notamment Bounia-Kasseni, Bounia-Djougou sur la RN27 et celle de Bounia-Igabarrière-Mongualou, renforçant efficacement la sécurité et les développements car le deux rime ensemble. L'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyan Kashama Djuni poursuit sans désemparer sa mission de restauration de la paix à travers l'approche militaire et non militaire. C'est dans ce cadre que la milice FPIC réitère son engagement de cesser les attaques et représailles sur la population. Cet engagement a été pris ce samedi 19 août 2023 à Kunda, chef-lieu de la chefferie de Babelebe, située au nord-ouest de la ville de Bounia, en territoire d'Irumu. Suivez à cet effet l'acte d'engagement lié par Kakani Basoko, porte-parole de ce mouvement. Toute attaque contre les édifices publics, écoles, hôpitaux, centres de santé, églises, marchés, bureaux administratifs, etc. ou trouble de la rentrée scolaire 2023-2024 est considéré comme un acte de crime de guerre. Interdiction formelle à tous les éléments de la FPIC de commettre des tracasseries contre la population à travers les barrières érigées sur les axes routiers dans les entités Bira et ailleurs, en vue d'assurer la libre circulation de la population.
Pour le commandant de la 32e région militaire, représentant personnel du gouvernement militaire de l'Ituri, la population doit s'approprier ces engagements signés par le FPIC. Dès lors qu'on a la garantie et les engagements des FPIC et de tout le monde, ce qu'on demande à la population, c'est de pouvoir maintenant quitter les camps des déplacés, rentrer chez eux et suivons ensemble comment on va rebâtir les entités Bira. On demande à la population de nous accompagner. Rappelons que c'est le deuxième dialogue démocratique. Interaction entre la 32e région militaire, les autorités territoriales, le leader du groupe armé FPI et la communauté Bira pour la résolution pacifique des conflits intervient après celui tenu au village Mwanga de la chefferie de Baboua Bokoui le jeudi dernier avec l'appui financier du Fonds de cohérence pour la stabilisation implémenté par l'Organisation internationale de migration, OIM en sigle. La haute cour militaire a rendu jeudi 17 août 2023 à Kinshasa un arrêt avant dire droit par lequel elle a jugé recevable mais non fondé le mémoire unique du prévenu lieutenant-colonel magistrat Lukusa Katumbi Willy. Le prévenu Lukusa, substitut de l'auditeur militaire supérieur et auditeur militaire de garnison de Kinshasa Gombe, est poursuivi pour avoir ordonné au major magistrat Louvisadio Diambu Elvis, premier substitut de l'auditeur militaire de garnison à son office, de percevoir indûment du détenu Kabakaba la somme de $600 américains pour bénéficier de la liberté provisoire. L'auditeur général, ministère public, a retenu à charge de ces deux magistrats militaires les préventions de concussion et violation des consignes. L'accusation a requis auprès de la haute cour militaire le jugement par défaut pour le prévenu Louvisadio qui est actuellement en fuite. Les avocats du prévenu Lukusa ont justifié son mémoire unique par le fait que leur client et son coprévenu n'ont jamais fait l'objet d'une instruction préjuridictionnelle et ce, en violation de l'article 214 du Code judiciaire militaire. La défense a indiqué que l'auditeur militaire supérieur avait désigné un avocat général militaire en qualité de magistrat enquêteur pour entendre sur procès verbal d'interrogatoire le magistrat Lukusa après constat de faute disciplinaire en violation de l'article 61 de la loi organique de 2006 portant statut des magistrats. C'est pourquoi les conseils du prévenu avaient demandé à la haute cour militaire de se déclarer non saisie des faits, mais cette cour, à la majorité des membres de sa composition, dit que les procès verbaux d'interrogatoire contenus dans les dossiers indiquent que les deux prévenus ont été bel et bien entendus par un magistrat du parquet sur le fait leur reprocher. Par ce motif, elle a rejeté la demande et ordonné l'examen de la cause à l'audience fixée au 24 août 2023. Les stagiaires de l'école de commandement et d'état-major et certains de leurs cadres ont bénéficié d'une formation sur le genre, les masculinités positives et la lutte contre les discriminalités du jeudi 26 au samedi 29 juillet 2023. C'était dans l'amphithéâtre Maréchal Mobutu Sese-Seko du centre supérieur militaire situé au quartier Mbiza Ozon dans la commune d'Engalema. Plusieurs thèmes ont été passés au peine fin par différents intervenants, parmi lesquels une experte venue du Sri Lanka pour partager son expérience à la matière avec les stagiaires et cadres de l'école de commandement et d'état-major. Comme à l'ouverture, c'est le général de brigade Ngoïndombe Ignace, commandant ad intérim du groupement des écoles supérieures militaires qui a présidé la cérémonie de clôture de cet atelier. J'ai l'agréable plaisir de déclarer clos l'atelier de formation sur l'humanisation de nos forces armées, sur la lutte contre les discriminations fondées sur le genre. Et je l'ai dit et je vous remercie.
le lieutenant-colonel Mapinduzi Mouima Jean-Claude, commandant second de l'école de commandement de l'état-major, a, au nom de son titulaire empêché, remis une attestation de reconnaissance à Madame Faïda Mwangiloua, organisatrice du dit atelier. Madame Faïda Mwangiloua, responsable du bureau de consultation en genre et participation citoyenne et développement, revient ici sur le mobile de l'organisation de cet atelier et choix de l'école de commandement et d'état-major. Nous sommes là dans le cadre d'une formation sur les gens, la lutte contre les discriminations basées sur le genre, mais aussi la masculinité positive. Nous sommes venus à l'école d'état-major. C'est pour outiller les officiers, parce que c'est ici, c'est une des écoles de l'état-major général qui forme les officiers. Et lorsqu'un officier est formé en cette matière, lorsqu'il arrivera sur le terrain, il va également impacter son environnement pour le bien de la communauté, parce que ce que nous voulons atteindre, c'est l'égalité des genres, permettre à la population, sachant que l'officier incarne un pouvoir dans son environnement et que ce pouvoir soit bénéfique pour l'ensemble de la population, des hommes comme des femmes. C'est pour cela que nous apprécions les autorités de l'école pour avoir intégré dans le programme académique une session sur les genres, le leadership et la masculinité positive. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele, Ambo Kanabiso.